Bonsoir. Bonsoir, bonsoir en allemand. Et voilà, je parle et ma connexion chie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. En espérant que ça se soigne tout seul. Comme l'informatique, ça marche beaucoup comme ça. En fait, au bout d'un moment, les trucs se soignent. C'est comme un corps humain, finalement, la technologie. Mais là, je sais vraiment pas d'où ça vient. Et ça va commencer. Je pense, très honnêtement, que ça va commencer à me péter les couilles. Pourquoi Chrome fait chier déjà? Tu sais quoi? Attends, je vais virer Chrome. Voilà. Allez hop, casse-toi. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Attends. Oh là 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 là. Salut Popo, salut tout le monde. Je suis en train de voir pourquoi ma connexion est en train de péter un plomb en fait. J'ai la liste de ce qui est en train de me sucer sous les yeux et je comprends pas pourquoi bah ça part en couille. Bon, on va essayer comme ça, mais bah écoutez, si je peux pas faire mieux, va falloir j'arrive pas à écrire. Ouais, bah je suis désolé, mais les problèmes de connexion, ça doit être le truc qui fait en sorte que les gens battent le plus leurs femmes. Honnêtement, s'il y a autant de violence conjugale, je pense que c'est à cause de la déconnexion, honnêtement, à cause du lag et de la connexion. Moi, je sais que moi, je suis comme ça. J'ai une femme, j'ai un trophée de golf, tac. Hein. Moi, comment on appelle ça, l'équation, elle est vraiment vite résolue. Ok, donc non, normalement, écoute, ça tient. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va lancer, on s'en fout. Hein. C'est vrai, ça, c'était en Téléstar. Ah bah, c'est des sondages sérieux qui font les mecs. Hein. C'est pas les derniers des cons. Hein. Allez hop, gaming, tac, on va lancer direct parce que ça fait quand même 13 minutes que j'ai lancé le stream. Bon, le son devrait être bon. Donc ouais, Wolfenstein The Old Blood, et je pense honnêtement qu'on va le finir ce soir, mais je sais pas si je ferai autre chose après. Mais bon, on verra, de toute façon, hein, on est libre. Oh putain, si j'arrive au moins à tenir le stream, quoi, parce que j'ai l'impression que ça va vraiment très compliqué. Peut-être qu'il va falloir à un moment que je relance le stream, parce que là, vraiment, ça va chier. Allez, c'est pas grave, on va tester, voyons voir. Va falloir que vous me disiez... Si ça chie vraiment dans la colle. Hop là, lui j'avais oublié. Ta gueule. Oh. Oh yes. Ouh. Ah merde. En tout cas, nous on a envie d'avoir envie. Je comprends. Comme chantait Hervé Villard. C'est marrant parce qu'en fait ce canoncier il manque de pêche, je trouve, quand même. Au niveau des cartouches. Ça a l'air de pas baisser pour l'instant. Au niveau de la connexion. Est-ce que ça va? Pour le moment c'est fluide. Ok. Bon bah tenez-moi au courant parce qu'on verra, bien comment ça se passe, hein. J'ai déjà sans aucune arrière-pensée, mais t'es toujours pas continué ton falaise sur Prison Architect. Ah, c'est possible aussi, ça peut se faire. C'est marrant, il esquive mes balles sans faire exprès, fils de pute, là. Ils ont vraiment développé des moyens de faire de la guerre qui sont bien au-dessus de ce qu'on fait, hein. Oui, le pont est mou, comme dit Poléon, on dirait un nom de... Voilà, oh. Attends, je vais reprendre. Il est où mon... Ah voilà, canoncier. Oh là là. J'avais oublié que ça faisait ça. Putain, ça gueule. Non, ça crie la guerre, mine de rien. Non, j'ai l'impression que ça drop encore. Hein. Bon, on verra, c'est pas grave. On va continuer un peu. Toi, ta gueule. Mais c'est vrai que, comme le dit la chanson, le pompe est mou. Hein. je sais pas pourquoi ça me fait autant rire comme expression, le pompe est mou. On dirait un nom de Fred sur... Mademoiselle. Non, c'est fluide. Ok, bon. Écoutez, vous allez me dire à... Optimisation de chargement. Maintenant, je peux recharger plus vite. Ouah, c'est impressionnant. Waouh. C'est tout ce que t'as. Bim, ta gueule. Zéro like perso. Ok, d'accord. Bon, bah, tenez-moi au courant, les gars, au fur et à mesure que nous avançons. Et puis c'est parti. De toute façon, ça va être un petit stream, je pense, aujourd'hui. Les gens sont partis en vacances. Nous, on est tranquille. Demain, par contre... Vu que Adwim, il est pas là demain, moi l'après-midi je ferai un stream de musique, mais de pure musique, pas de entre deux on fait un manège quoi, non, de vraiment de vraie musique, pas de Planet Coaster, pas de Euro Truck Simulator, rien du tout, juste de la musique, donc ce sera sur son slot hein, de l'après-midi. Entre 16 et 18, donc si jamais ça vous dit, je me disais la mitrailleuse aussi était très... Très Star Wars, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Ok, très bien. Et demain soir, ça chie. Ah bon, demain soir... Qu'est-ce à dire, demain soir, ça chie? Pourquoi ça chie? Enfin, ça chie, ça peut chier à n'importe quelle heure, hein, mais... Exactement. Attends, non, c'est pas ça. Va falloir que je commence à utiliser mes armes intelligemment, parce que... Voilà. En point and click, en point... Bip, voilà, mieux.
Ah si si, demain soir il y a des films aussi bien sûr. Oui, il y a pas que le stream de l'après-midi. Et je croyais que tu parlais des streams de jeux vidéo. Je me disais ça chie bah pas particulièrement, mais oui bien sûr demain soir ça chie parce que je passerai aussi deux films Godzilla en attendant l'arrivée de Godzilla King of Monsters. Tiens ta gueule. Donc oui, demain soir ça va chier aussi. En gros, demain ça va chier. Ça va très certainement chier. Donc venez, quoi. Voilà, c'est mon appel à l'aide. Par où il faut... Ah oui, non, je sais par où il faut passer. Dis donc, oh, de l'or nazi. J'ai dit de l'or allemand, mais oui, de l'or nazi, c'est cool. C'est là-bas qu'il faut aller. Je me souviens maintenant. I remember. Ah, il fait le remember. Bah c'est pas là. Bah merde. Non, c'est là-bas. Faut nager. Je vais pas me faire manger par un nazi. c'est ce que les parents... C'est ce que moi je dirais à mon gosse. Au lieu de lui parler de l'ogre ou du marchand de sable et tout, je lui parlais du grand méchant nazi. Et je pense qu'il grandira très, très poli ce gamin. Ok. Shmi. C'est plus ou moins nous en fait. On dirait notre t-shirt. C'est marrant. Inconsciemment, j'ai refait limite un t-shirt de Wolfenstein. Je suis désolé, t'es plus ou moins De Gaulle en 42. Hitler va te croquer les orteils dans la nuit. Je suis sûr que ça marche bien plus que leur connerie là de oh, que leur connerie de oui, le grand loup. Mon père il disait si tu dors pas, le crack boursier il va venir te bouffer pendant la nuit. Hein. Si tu manges pas tes haricots, le crack boursier il va venir te défoncer. Ça et la grande dépression. Ça je peux pas l'ouvrir non plus là-bas. OK. C'est important l'éducation aussi, tu peux pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui. Merde, je suis en train de me galérer, j'espère qu'il n'y a pas encore un bug d'échelle ou de quoi que ce soit. Ah non, c'est là, putain, je suis con. Ah là là, ça m'énerve, tu vois ça là, je le loupe à chaque fois. Je loupe vraiment ce truc à chaque fois, mon gars. La Grande Dépression, c'est mon nom de scène. Ah, je comprends. Moi, c'est Lily la chaudasse, mais chacun son métier de toute façon. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que le saut Jean. Comme disait Didier Barbelivien. Aïe, je me suis fait gicler dessus par un bâtiment. Ce qui arrive aussi. Ok. Attends, on va pas descendre tout de suite, on va faire un petit peu d'exploration là. Je perds des frames. Ça va de votre côté toujours, hein. On est d'accord. Ça doit être ma phobie dans la vie en fait de perdre des frames et de pas pouvoir streamer. T'imagines si ma connexion elle devient définitivement pourrave. Déjà qu'elle est pas bon. Sur une échelle de 1 à 10, ma connexion elle est à moins 4 quoi. Mais bon, on fait avec. Il tire sur quoi exactement? Sur moi? Non, ah mais il n'y a pas de vitre en fait. Ah, mais il y a encore des nazis en fait. D'accord, ok. Il y a des nazis qui se battent contre les nazis zombies. C'est marrant comme dichotomie. C'est un peu la victoire de la vie sur la mort. Malgré la tyrannie et le racisme. Ok, hop, toi ta gueule. Ouh, ah d'accord. Donc OK, je vois le donc dès qu'il meurt, un nazi a la possibilité de devenir zombie. Comme IRL d'ailleurs hein. Je pense que maintenant les gens le savent. Tu vois, regarde. Chaque nazi a en lui la possibilité d'être un zombie. Par contre, toi il va falloir que tu crèves avant demain hein, parce que ça va commencer à me saouler. Allez bim. Voilà, merci. Bip, 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 voilà. Je suis en train de prendre beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais je fais vraiment pas gaffe là. Ça fait un moment que j'ai pas joué à Wolfenstein aussi, on va de la dernière fois, enfin à un FPS en fait. On a quand même quelques pertes d'images. Bah ouais. Bah j'espère que ça va revenir de ces voix, sinon je relancerai le stream et puis sinon je restreamerai de toute façon demain. Mais là c'est vrai que pour l'instant je peux pas y faire grand chose quoi. Ça me fait extrêmement chier. Déjà que ma connexion est pas top, si en plus elle est pas solide, ça va vraiment me finir en... Ça va finir en tartine, le bolos. T'es con, toi? Tiens. Ouh, il a mangé pour tout le monde. Putain, par contre, toi aussi. Oh, merde. Qu'est-ce que je fous avec mon cadencier à lui tirer dessus à plus de 50 cm? Bon, tu sais bien que t'es dans un jeu vidéo, Nicolas, enfin. Putain, Nicolas, réfléchis, Nicolas. 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 Ok. Ça en est bon, très bien. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'appellent... De toute façon, tout le monde s'appelle Nicolas. J'engueule personne, hein, vous inquiétez pas. Ok, attends. Ah, merde. Oh, fais chier, lui. File-moi mon Kampfpistole, le... Tiens. Ah, c'est bon. Oula. Ouais.
Non, pas moi. Si, si, Christophe, tu t'appelles Nicolas aussi. Bonsoir. Ah merde, j'ai loupé. Ah non, il s'est transformé. Il s'est super nazifié. Viens, viens. Vas-y, viens. Emportez par la foule. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens. Vas-y, viens, viens. Je te brûle les couilles. Je te brûle les couilles. Allez, je te brûle les couilles. 1, 2, 3 brûlages. Voilà. J'adore ce sport. Ok. Ça devrait être un sport aux Jeux Olympiques. Le bourrinage de nazis zombies. Il y a quelques... En plus, il y a quelque chose, je sais pas, dans le nom du sport qui est satisfaisant. Bonjour. Ouf. Oh, j'adore. Il manque de peps au niveau du son, le fusil, quand même. On note ça dès le début. Mais au niveau des résultats, en fait, qu'il procure, je trouve que c'est très bien contrebalancé, quoi. Je trouve que c'est vraiment très bien contrebalancé. Chaque nazi a quelque chose en lui de zombie. On a tous quelque chose en nous de nazi zombie. Cette volonté et la tyrannie. Nan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 
C'est pas du tout ce que je voulais faire, j'ai appuyé sur l'espace, mais ça m'a fait sortir, ça m'a pas fait sauter. Très bien. Et j'ai pas de ladder botter, j'ai le shock hammer quand même si jamais je me fais emmerder. Ça c'est pas mal. Mais sinon je suis sur le ladder botter quoi. Très bien. Là ça va ladder botter, mais je vais leur ladder botter le cul, mon gars, ça va être quelque chose de bien fait. Allez go, je peux maintenir les deux? Yeah, je peux faire un stomp, très bien. Bim ta gueule, allez c'est parti. La 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 la, les nichons, la la. Ah la merde, ah oui d'accord, donc c'est comme ça que ça marche. Ok, bon écoute, on va garder ça à la main pour être sûr de pas se faire emmerder. Ah, c'est pas pratique, c'est pas pratique, voilà, ok. Bim, très bien. Putain, il est lent pour tourner leur truc, allez. Voilà. On va reprendre, c'est quoi la touche, c'est 4 3 Donc, quoi? D'accord, les touches alpha numériques ne marchent pas. Top, tiens. Prends ça, petit filou tubes. J'ai les petits filou tubes, le gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Faut descendre? Ok, faut descendre. Ok. T'as pas de direction assistée sur ce bordel à pilon, et puis c'est un diesel. Ça met 8 ans à se lancer. Enfin, c'est. Vraiment, au niveau technologique, ils auraient pu vraiment faire mieux, je trouve. Je suis déçu. Je suis déçu par les nazis. Comment on fait des. Comment on fait pour changer de mode? X. C'est X? Ouais, c'est X. Ok, d'accord. On va reprendre le Bombenschuss parce que je vous rappelle que le Bombenschuss c'est le meilleur de, c'est le meilleur des fusils, comme on dit, Bombenschuss, meilleur chose. Donc on va garder ça. Il va y avoir un truc ici. Je sens qu'il va y avoir comme un genre de vague d'ennemis, ça je le sens. Déçu du nazisme russien 2019. Non mais honnêtement, je pense qu'il y a de quoi être déçu, j'allais dire nassu du désisme. Non, déçu du nazisme. Bim, ça c'est fini. Tac, ça c'est fini. Regarde-moi, je suis. Appelle-moi Lee Van Cleef. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne pour l'instant. Ok. Tu me laisses 5 minutes sur ton méca diesel, j'en fais une Tesla. Est-ce que tu peux faire le modèle, je sais plus quoi là, Tesla, ils ont un SUV mon gars. J'ai vu ça sur The Grand Tour. Ils ont un SUV où il y a plein de trucs rigolos dedans. Genre, c'est la grande tablette. Tu sais, dans les Tesla, t'as une grosse tablette en fait au milieu de ta bagnole, genre à côté de toi. Et tu peux choisir plein de trucs. Donc, t'as ton GPS et tout. Mais tu peux par exemple sur ton GPS te foutre à la surface de Mars. Ou alors, pour visualiser ta bagnole, tu peux changer et foutre ta bagnole comme si t'avais une DeLorean ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment un genre de. Ils racontent des petites blagues en fait dans l'ordinateur principal de la bagnole. Et j'aime bien le principe. Ah. Boum. Excuse-moi. Merci. Très bien. Excuse-moi. Merci. Oh, ah, je kiffe. Ça a pété ça, non? Kablim. Allez. Ça explose. Ça explose pas? Oh, mais merde. Tiens, nique. Bon. Va falloir que je le pète à la main, c'est ça le truc, parce que j'ai vraiment pas confiance. Ah, mais non, je peux péter comme ça, remarque. Pip, pa, pip. Ah là. Ok, il fallait deux balles de 38. Très bien, je vois. Oui, mais je croyais que le feu, ça allait faire le boulot, en fait. Est-ce que c'est pas trop fort? Ça a l'air d'être un peu fort, non? On va baisser un tout petit peu le volume, voilà. Ça va être substantiellement mieux. Reste par terre, toi. Oh, yeah! For 3 minutes, you're going nowhere. Bim, excuse-moi. Voilà, merci. Attention. Blip. Voilà. Toi, pareil. Voilà. Je comprends pas trop l'intérêt. Merde. Ah, ah, choc hammer, vite, non, choc hammer. Cassez-vous, cassez. J'arrive pas à tourner. Putain, c'est vraiment pas pratique. Bip. C'est comme ça que j'utilise les mécas, hein. Personnellement. Petite info, le diesel ne s'enflamme pas. D'où son utilisation dans la combustion. Comme c'est plus ou moins de la flotte en fait. Moi j'ai vu des moteurs qui pouvaient tourner avec de l'eau gazeuse. Hein. Et c'est super impressionnant. C'est. Ah merde! Non, casse. Bon attends, on va descendre parce que là sinon il va tout me niquer. Il va me niquer mon. J'espère qu'il va pas me le prendre par contre. Il est où? Il est parti. Il a niqué mon tableau de bord en ronce de loyer, c'est bon. Et en plus, j'ai même pas fini de payer le truc. Ils sont vraiment en train de me tirer sur mon truc. Ah non, c'est bon, ils sont en train de tirer sur le zombie. Bah écoute, on va garder ça comme ça, ça va être bien. Bonsoir. Ah, très bien. Non, ok. Ah, oui, d'accord, ok. File-moi, voilà, mon couteau. Il y a un truc qui t'est allumé, là?
Living la vida loca, je trouve un peu. Voilà. Tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Voilà, ça, c'est à moi. Écoute, je joue en américain, je joue à l'américaine. Hein. Vous pouvez pas m'en vouloir d'être historiquement accurate. Hop, vos gueules. Toi, tu restes par terre. Toi, tu fermes ta gueule. Toi, exactement pareil. T'es où? Bip. Voilà. C'est moi, mien. Il s'enflamme sous pression, mais pas avec une étincelle. Je me suis mal exprimé. Voilà, mais non, mais... Tu peux pas t'attendre à nous expliquer les trucs, Polyon, si jamais ton explication elle tient pas la route. Enfin, tu sais quoi, enfin, je suis déçu ce soir là, je suis déçu. Ma connexion, Polyon, la race humaine, enfin, je suis vraiment, vraiment déçu. Vraiment, non, c'est pas ma journée quoi. Pas ma journée du tout. Ooh, what I heard. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, ça va être un petit stream tranquille aujourd'hui, il y aura pas de gros gouffre, il y aura rien parce que ça fait un moment aussi que j'ai pas streamé, alors il faut que je me remette dedans tranquillement quand même. J'ai eu les obligations même pas personnelles, spirituelles récemment parce que je me suis converti au bouddhisme et rien à voir avec le bouddhisme. Hein. Et du coup, ça pète ça. OK. J'entends plus rien mais non bah ouais et du coup voilà, il faut que je me remette lentement et puis lentement et sûrement lentement et admirablement, je dirais. Faut que je reprenne ma verve. Ma grosse verve. Pip. Pip. Ça manque d'un petit sifflement quand tu... Ah. Quand tu... Ah, il est mort. Il est mort comme Buster Keaton. Je sais pas si t'as vu, il a fait un petit... Les jazz hands, quoi. Je vais passer là-bas, tu penses? Ou c'est vraiment une très mauvaise idée? Les deux? Allez, go. Hey. Ok. C'est bon. C'est pourquoi? Ah, c'est pour une raquetaine quand même. J'ai fait tout ça pour une raquetaine. Eh bé. Ça a mal vieilli, hein, le nazisme. Ah. Ok. Ouh. Voilà, nique ta race. Très bien. Eh ben écoute, on va pouvoir passer, non? J'ai ouvert ça, ouais, c'est bon. C'est marrant, j'ai l'impression que le niveau est bien plus ouvert qu'il ne l'est réellement. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas si mes yeux me joueraient des tours. Mes blessures et mes faiblesses, celles qu'on s'avoue qu'à demi-mot. Attends, je vais passer par là avant, parce que j'ai vu des choses. Ah bah non, y a pas besoin en fait. Attends, je vais me garer. Voilà, je me gare là. Attends, on est en moins impair, faut que je me gare ici. Hop. Voilà, impeccable. Tweet, tweet. Voilà, c'est bon. Vous me la garez à l'ombre. Tiens, pour le personnel. Ok. Ça, ici, j'ai vu des trucs, voilà, j'ai vu ça. Alors le problème c'est qu'en fait je me fous en super armor mais je l'utilise pas vraiment donc ça sert à rien de faire ce que je fais en fait. Mais c'est satisfaisant quand même de récupérer de l'armure alors j'y peux rien. On va retourner dans la Tesla mobile. La Tesla Z. Gaffe de conduire bourré en revenant de soirée. Oui t'inquiète pas, je ferai très attention de conduire bourré en revenant de soirée Viper, t'inquiète pas. Nous les Bretons on conduit mieux quand on est bourré. Attends putain, il y a ma connexion qui chie encore dans la smoule là. Ça va? Il y a eu des coupures encore, j'imagine. Bon, ouais, ce soir, j'ai l'impression que la connexion, elle va vraiment être un problème. Mais écoutez, ne vous en tenez pas rigueur. Si jamais ça merde. Si ça merde pas, ça merde pas. De toute façon, on peut rien y faire, hein, comme on dit dans le métier, Hakuna Matata. Hein. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Bonjour, je m'appelle Toufik. Y'a plus personne? Ok. Ouais, ça, les Bretons, ils conduisent mieux bourrés, mais c'est un trait racial. Donc ça, t'y peux rien. Hein. Ça, tu changeras pas la science, poteau. Hein. Y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah, j'ai entendu un... Comme un grondement de bandit. Mais c'est quoi? Allô? Je suis fou ou quoi? J'entends des grognements. C'est à cause du clodo en bas de chez toi qui a piraté ta co. Et il sait même pas ce que c'est internet, le pauvre, laisse tranquille, pourquoi il faut que tu le diffames comme ça, Femme. Et simplement, je te dis, oh. Les archéologues fouillent l'église en ruine de Wolfsburg. Une équipe de, y a quoi, les mystères qui pourraient être bien la plus haute importance, fuyant de notre nation, un gros démon à la fin du jeu. Très bien. Non, c'est des conneries. Tiens, y a quoi ici? Ah, mais c'est toi qui gueule! Voilà. Putain, ça est beaucoup mieux. Ah. Allô? Vous m'entendez, monsieur Bidet? Quoi? Je t'entends, Annette. Je crois avoir retrouvé mon ami. Ah non, mais c'est... Oui, d'accord, c'est un truc de mission, en fait, que je viens de récupérer. C'est pas une clé bonus. C'est ce qui ouvre ça, là-bas, là. Ok, d'accord. Je me suis dit, waouh, Russiane, t'as visité un peu le coin. T'as découvert le truc bonus, c'est cool. Mais en fait, non. Je suis juste un minable comme les autres. Tant pis.
En plus du trait racial, est-ce que les Bretons gagneraient pas un bonus en plus avec les routes à 3 grammes? Ça, c'est des bonus d'environnement, ça, c'est pas forcément nous, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, sur si un Breton déploie deux cartes route à 3 grammes, il peut éviter toute sanction judiciaire. Et ça, c'est intéressant. C'est un gros investissement quand t'es Breton. Voilà. Non, je veux partir. Voilà. Laissez-moi ici, je veux récupérer, je veux retourner dans mon Ritter Laden, là, Ben Laden, comment ça s'appelle? Le Ladder Robot. Bah, je sais pas, c'est pas marqué, très bien. Bonjour! Ich bin dein Freund! Attends, il va peut-être falloir que j'ouvre la barre en fait, remarque. Venez un par un, vous inquiétez pas, ça va tout bien se passer. Et hop, voilà, ça se passe bien. Hop, on fait un petit effort, et puis on se dépêche quand même, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Les VS, elles sont complètement différentes à chaque opus, c'est naze que ce soit pas maintenu. Bah ouais. Allô? Ok, attends, je pense qu'il va falloir que je rentre de toute façon là-bas en fait. À moins que je puisse ouvrir ça. De manière... Ouais, s'ouvre de l'autre côté. Ok, très bien. Je vois le cheminement que tu veux me faire faire, jeu vidéo. Bonsoir. Ouais, bah oui, mais c'est le problème quand tu marches à l'envers. Hein. Ah, je vais éternuer, tiens. Ah. Attends. Ah. Ah, putain. Il veut pas sortir. Ah, ça pique de ouf. Ah. Ah. C'est vraiment super désagréable. Ah, merci pour le sub, poteau, dis donc, DKV93, certainement un russe. DKV, Stevia Privyet, Stevia Privyet. VDV, bonjour la Stevia, comme dit la chanson. Merci beaucoup pour le sub, poteau, ça fait très plaisir. Tiens, c'est tout à l'heure, il va falloir que j'amène ça d'ailleurs tout à l'heure, j'ai pas encore fini mon coca, mais quand j'aurai fini mon coca, je vais amener ce que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est la Monster Mang. Il y en avait dans mon magasin, celui où je vais acheter la plupart de mes stocks de coca et d'héroïne. Et il y a une Monster Mang, je l'ai pas encore ouverte, j'ai pas encore goûté, je sais pas du tout ce que c'est, et j'ai envie de la tester en stream. Ce sera un peu notre moment just chatting, comme on dit, social drinking, etc. Je pense que ça va être intéressant, je vous ferai un petit exposé. Qu'est-ce que... Tu peux crever ta mère? Voilà, merci. VDV, Sneva Privyet. Voilà. Au, au, au. Ok. Oh, je me suis pris un point de dégâts depuis le début du... Ah, mais si, voilà. Impeccable. Dégustation live, réaction découverte. Ça tourne mal. Ouais, mais des fois, il faut s'adapter, hein. J'ai rarement fait quelque chose d'aussi satisfaisant que de bourriner du nazi avec une mitrailleuse légère. Basée en plus sur un modèle de canon Vulcain de type minigun. C'est vraiment super agréable. Je sais pas quel calibre c'est ce truc là allemand. Hop, on va la recharger vite fait. Voilà. Alors moi je sais pas si c'est pas des vagues infinies qui m'arrivent sur la ganache là. Sur la ganache, je veux dire. Sur la ganache, je le connais pas, le mec, donc. Voilà, vos gueules. Aouh. Nick Taras. Exactement pareil. Une petite tartelette au smegma. Ah. Mais pourquoi tu dis des choses pareilles, Momo? Une tartelette au smegma. Après, voilà, quand t'as pas essayé, tu peux pas dire que t'aimes pas, mais bon. J'ai quand même ma petite idée, quoi. Tu veux qu'on teste, Momo? Plus, maintenant, j'ai un four, alors on peut même faire un genre de crumble. Un crumble au smegma. Tu rajoutes de la crème pâtissière avec un petit biscuit. Putain, pourquoi ça me gratte le bout du pif? Avec un biscuit. Enfin, une pâte brisée, non pas une pâte feuilletée, tu vois. Et je pense que tu peux avoir un résultat assez médiocre. Donc, faudrait qu'on essaye. Hein. On va faire ça à une IRL, t'inquiète. Atelier tartelette au smegma. Moi, personnellement, je suis chaud. Après, faut voir, il y a des coutumes culinaires, genre au ramadan, tu peux pas, je crois, manger du smegma, enfin, il y a un truc. Je me souviens plus exactement des règles de leur jeu de société, mais je crois que ouais. Ou à Hanouka, ou un de ces trucs-là. Voilà. Hop, on peut récupérer notre ladderbot. Est-ce qu'on peut lui monter, alors ça, ce serait ouf, mais lui monter notre mitrailleuse? Il y a bien un endroit où on peut mettre une petite mitrailleuse là-dessus, non? Déception et tartelette. Ouais, non, je peux pas. Du coup, j'ai fait tomber. Ouais, j'ai fait tomber. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Hein. On va se démerder sans.
J'ai encore perdu les frames, c'est ça? Putain, j'ai perdu 2000 frames depuis le début du stream. C'est mon pire score depuis l'histoire de LMF. Pas du tout. On a fait des soirées où on avait 90% des frames qui avaient sauté. C'était la bonne époque. L'époque du roi lion. Hop, ta gueule. Attends, parce que j'ai pas confiance. Bim, voilà. Ok, impeccable. Ils ont pas de prépu, donc ça doit être chaud de récolter du smegma chez eux. Mais tu peux pas louer des prépus dans des pays du Moyen-Orient ou etc. Je suis sûr que tu peux. Je suis sûr que ce serait une entreprise plutôt juteuse si tu faisais de la location de prépus. Bah après, tu sais, je suis pas businessman, hein, je suis pas Shark Tank, c'est pas mon truc. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de se faire de la thune facilement avec ça. Vous qui êtes toujours en linge de ouais, j'ai un moyen de faire de la thune, je vais vendre des enfants, je vais vendre des organes. Non, vendez des prépuces. Les vendez pas même, louez-les à la journée. Tu sais jamais si t'es en galère de prépuces. Bon, est-ce qu'on peut monter là, tu penses? Attends, c'est quoi ça? Ça sert à rien. Faut que je passe par là directement. Y a rien d'autre à faire ici là? Dans cette espèce de. Tu vas me dire que dans cette espèce de petite arène, y a rien d'autre à faire que juste avancer? Bon, bah, les lions, c'est pas. Super pratique, hein. Ruru, tu sais bien que l'argent peut tout acheter si on cherche bien. Mais voilà, c'est pour ça que je m'étonne qu'il n'y ait pas encore de prépuce en vente. Ah, mais c'est parce que c'est la fin du niveau, d'accord. Ok. D'accord, c'est pas. Faut que j'arrête de gueuler pour rien, en fait, vraiment. Voilà, sur le remix de tout à l'heure, en fait, j'ai Rihanna en tête, du coup. Ouh. Yes, ça c'est la meilleure idée du siècle, traverser un cimetière quand il y a une invasion de morts. C'est un peu l'idée à la UV Ball, quoi. Mais écoute, tant qu'on veut, on peut, hein. Ah, il y a carrément des mecs, en fait. Ok, d'accord. Eh ben, filme-moi mon Bomberchus et puis on va s'en occuper tranquillous, hein. Bomberchus, je m'en occupe tranquillouche. Ah. Ok, attends, ils sont où? Est-ce qu'on peut les voir ici? Il y en a un là-bas. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranché. En plus, il est juste à côté l'autre. J'ai l'impression c'est pas lui là-bas. Il est peut-être dans ce bunker. Alors du coup, on va sortir le gun. Est-ce que je peux... Voilà. Et on va faire du John Wick. Ça va John Wicker dans les chaumières. Regarde. Pip. Bap. Ok, c'est pas... Ok, donc... C'est parti. C'est parti en cacahuète. À vitesse supraluminique. Hop, toi ta gueule. Non, toi ta gueule. Non plus. Si, c'est bon. Ça a vraiment... Ça a tout a foiré d'un coup, hein. C'est quand même beau quand quelque chose se passe bien. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok, très bien. Discrétion. Alors ça, c'est vraiment pas de ma faute. Il y en a un qui a pété, qui est devenu un zombie, et l'autre qui a hurlé. Alors, dites pas que c'est de ma faute. C'est bon, j'en ai marre d'être le bouc émissaire. Attends, j'aimerais bien lui... Bip. Merde. Allez, allez, bip. Ah, loupé. Stop. Ah, mais non, il s'est transformé. Non, c'est bon. Les plans sans accro, tout ça. D'ailleurs, il sort quand, John Wick 3? Il est sorti déjà, hein. Je vais le voir, d'ailleurs, Quand est-ce que je vais le voir, moi? Aïe. Ok. Ah, mais non, du coup, moi, je vais le voir demain soir. Du coup, je sais pas si je pourrais streamer les films. Ok, on verra demain. On verra demain comment ça se passe. À la base, je voulais y aller lundi, mais je crois que je dois y aller demain soir voir le... Ah, putain, mais vous allez me faire chier. J'aimerais parler. Ça pète, ça, ou pas? J'ai l'impression que ça pète. Non, il y a un truc qui pète dans le coin, là. Ok, toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Toi, de même. Est-ce qu'on est bon? Ah, putain. Ouais, John Wick est déjà en salle, sinon. Hein. Et pour l'instant, les gens ont l'air de kiffer. Mais de toute façon, je pense que c'est pas vraiment pas difficile de faire kiffer un John Wick, donc... J'ai vraiment pas peur pour ce que je vais voir demain soir, quoi, vraiment. Voilà, ferme ta gueule. Yes, 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 yes. Toi, voilà. Alors attends, je vais changer du bomber shoes parce qu'il doit y avoir encore l'autre enculé, il doit être là, attends. Je vais lui réserver ma plus belle standing ovation, regarde. On appelle ça la standing ovation. Il est où, mon fusil d'assaut? Bah, il est où? Ah, voilà. Hop. Kiki. Say hello to your Nazi boss. Voilà, impeccable. Voilà, par contre, c'est vraiment... Merde, c'est vraiment pas la décoration à laquelle je m'attendais ici. Oh, la lettre du roi lion. Le roi automne. Auton. Auton. Le roi Auton. Lion, c'est un plat belge encore. Non, ok. Pourquoi vous avez des personnes décédées sur votre bureau? C'est vraiment dégueulasse.
Enfin, tu te démerdes, tu mets un tricot, tu mets une... Des trucs de mamie, tu sais, les... Comment ça s'appelle? Il y a un nom spécial en plus pour ça. C'est un genre de broderie, tu sais, un peu en dentelle, mais que tu mets soit sur les hauts des canapés, soit sous les tasses. Comment ça s'appelle? Il y a un nom super compliqué et super spécialisé pour ça. Les broderies de mamie que tu mets sous les tasses. Genre des petites tranches de broderie. Non, bah, je crois pas que ce soit des napperons. C'est autre chose. Et il y a... Putain, ah, ça se trouve... Non, ça se trouve, c'est des napperons. Non, merde, je sais plus. Il y a un truc. Il y a un truc, mais je me souviens plus. Je sais plus si c'est napperon ou autre chose. Attends, fais voir. Attends. Bah non, merde, j'ai enlevé mon... J'ai enlevé Firefox, du coup. Pour économiser un petit peu de connexion. Pour être sûr de pas être en rade. Les mecs qui lisent des magazines sur les bombardiers. C'est des vrais mecs, quoi. Les vrais hommes. Ah non, il y a quand même une gonzesse, là. Ok. Et il y a Isa. Paderborner, elle. Très bien. Donc, on peut aller là-bas, ou alors on peut aller... Non, ça, c'est d'accord. Ça, c'est pas la suite du niveau, j'en suis persuadé. Je me suis fait mal. Google me dit que c'est ça. Ben non, mais c'est peut-être des napperons, alors. Pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait un mot compliqué pour ça? Napperons. Merde. Je suis sûr que, genre, j'ai regardé un jour, à un moment, un épisode de... comment ça s'appelle Question pour un champion. Il y a eu un mot compliqué et j'ai pas réussi à le retenir. Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose d'autre. Mais un mot du même acabit que napperon, quoi. Tartampion, connerie dans le genre, tu vois. Ok, voyons voir. Ok, une porte du futur, très bien. Allez, Stargate. Voilà, impeccable. Vous avez débloqué un défi cimetière. Je cherche aussi profond, Elga. Putain, t'as entendu la voix qu'il avait eue là, le... Qu'est-ce que tu cherches aussi profond, Elga? Yeah! Oh yeah! Très bien. Regarde. On va s'infiltrer, Là, l'infiltration, je la sens super bien, regarde. Smooth! J'ai vraiment pas la... Rien dans ma vie, quoi. J'ai rien dans ma vie. Il s'est fait bourriner en plus, le truc, là. Bon, bah, tant pis, on va faire ça à la main, hein. C'est qui a tiré, là? Comment ils ont fait pour mourir tous les deux? Ah, d'accord, non, ils sont pas morts du tout, tous les deux, en fait. Ça. Non? Je sais pas. Ah, c'est pété, merde. Pas le temps. Putain, vous faites chier, tous! Alors j'espère que l'Uber Soldier là-bas il va pas se transformer aussi parce que sinon ça va vraiment être une inconvénience. Attends, on va lui balancer des coups de camp pistolet dans la gueule à lui. On va voir s'il fait le moins le malin. Hé hey, connard! Tiens, une, elle est cadeau. Yes. One is for the way you look at me. Two. J'ai l'impression de me paumer, en fait j'ai l'impression de louper des passages du niveau alors que c'est très dirigiste, hein, les niveaux de The Old Blood, tu louperas je pense jamais rien, mais j'ai quand même cette mauvaise impression de louper les trucs, c'est un peu comme l'impression que tac t'as oublié quelque chose avant de partir en voyage en fait, et j'aime pas du tout cette impression, c'est mon impression que je déteste le plus, juste avant l'Holocauste. Waouh, ça va, Not Important. Pourquoi les entrailles pourries de la Terre en plus? Enfin, elle est en merde. Qu'est-ce que c'est que ces considérations de merde, là? Moi, je suis la Terre, ça me ferait chier que j'entende dire que mes entrailles sont pourries. Ah, mais c'est con, mais ça m'énerve. Il est edgy, en fait, hein. Il est vraiment edgy, BJ, hein. Tu peux te barrer? Tu peux te barrer? Merci! Voilà, impeccable. J'ai à peine perdu la moitié de ma vie en plus. Voilà, ta gueule. Plus de munitions, très bien. Pas besoin de toute façon. Hop. Ils font des caca magiques, je vois l'ambiance. Ça doit être surprenant.
Mais pourquoi pas, l'expérience doit être passionnante. Qu'est-ce que... Voilà, ta gueule. Non, j'ai tué personne. Oh, merci pour le sub, Fullkix. Avec Prime, ça fait plaisir, poteau. Ouais, ta gueule. Ça, mec, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on t'a pas vu, non? Ou alors suis-je fou? Salut, Vito. Ça, mec, aussi. Comment est-ce que vous allez? D'ailleurs, comment vous allez tous sur le chat, là? Allez, allez, on fait un petit effort pour ceux qui sont en train de regarder le chat en faisant autre chose, la bande d'enculés. Dites-moi si ça va. Écoute, moi je vous entertain. Alors répondez-moi. Yamb, ça va Imhotep? Allez, let's go, bande de gros cul. Tu es aussi concerné, Yadar, donc tu vas te calmer tout de suite. Et ils sont pas tous gros, il y en a qui sont... par exemple, Momo est athlétique. Voilà. Attends. Alors par contre, oui, parce que moi je dis ça, mais en même temps, je peux pas vous lire parce que j'ai les nazis au cul. Attends, c'est peut-être pas forcément le meilleur truc. Attends, vos gueules. Ouais, c'est ça. Oh non, mais arrêtez de vous transformer, là, ça commence à devenir une marotte. Je vais bientôt partir jouer à D&D. Oh, ça c'est bien. Tu me laisses manger ma pizza tranquille. D'accord, pardon, Toad. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Je viens de m'enculer à la muscu. C'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Ça gaze. Je suis large, pas gros. Exact, tu as les gros os. Ça va bien, merci. Nickel pour ma part. Ça va, je suis en 3ème départemental sur une map Trackmania. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est cool. C'est bien d'avoir des moments de. Où tu. Comment on peut dire ça? Où tu te bats contre toi pour savoir si t'es assez bon pour être dans des compétitions comme ça. Je suis pas quelqu'un de très compétitif, moi je m'en fous un petit peu de la compétition. Mais il y a quand même certains moments où je trouve que c'est assez important quand même de pouvoir se mesurer à d'autres sans forcément partir dans le mindset de « je dois écraser tout le monde, je vais enculer ta mère ». Non, non, ça c'est un peu toxique comme façon de penser, mais... Un petit peu de compétition à la bonne franquette, ça se prononce franchette hein, d'ailleurs, comme une franchette de viande. Si je trouve que c'est important de temps en temps quand même. Yadar qui va à la salle pour les vestiaires. Franchement, je le comprends. Mon gars, ma salle, la salle où je vais, les vestiaires sont plus stylés que ma salle de bain. Il y a des genres de néons violets à la Blade Runner 2049. Honnêtement, il y a des fois où j'irai là-bas juste pour ça. Je pense que je vais commencer à le faire d'ailleurs. Je vais commencer à aller à la salle juste pour me doucher comme un gros crade et chier dans le drain. Le problème, parce que pisser dans la douche, tu peux, tu vois. Mais chier dans la douche, il faut un petit peu piétiner avec ton pied pour que ça passe dans le drain et c'est vraiment pas pratique. Alors après, oui, tu pourrais retirer le drain pour laisser ça couler, mais enfin, c'est pas pratique quoi. Si ça te fait perdre du temps. C'est un peu contre-productif. Ok. Et en fait, dans ma salle, les poids sont mieux que... Enfin, non, je veux dire, les salles de bain sont mieux que les poids, parce que c'est une salle de fitness, et du coup, les poids sont pas très lourds. Et il y a 3 machines sur lesquelles je suis au maximum, où il n'y a pas plus de poids, en fait, où je soulève le maximum de la machine, et ça pose des problèmes, parce que du coup, je peux pas aller au-dessus. C'est chiant. Mais bon, tu te douches bien. Donc, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice et c'est un investissement sur le futur. Pourquoi je dois aller vers l'enfer, là? Y a rien d'autre, là? Ça va où, ça? Ça balance pas mal à Paris. Christian, il a pété les limites de la salle de Musuc. De Musuc. La salle de Musuc, c'est ça, son nom? Jean-Michel Musuc vous accueille dans... Merde, ma mitrailleuse. Merde. Putain, j'ai fait tomber ma MG 40 000, là. C'est pas grave. Mais ouais, je suis au max sur certaines machines. Je me suis fait même féliciter. Du coup, ça met du baume au cœur, tu vois. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le truc de participer à des compétitions. C'est pas forcément des compétitions juste pour battre quelqu'un, mais c'est des compétitions pour essayer de savoir à quel point toi tu peux t'arrêter, tu vois. À quel point tu peux pousser, à quel point tu peux te faire mal, à quel point t'es fort, tu vois. C'est une façon de se connaître soi-même, tu vois. Plus que de défoncer des mecs sans pitié. Qu'est-ce qu'il fout? Il est complètement con, lui, quoi, là. Blip. Ah, blip. Ah putain, non, mais ils sont chiants, ces trucs, là. Tiens, attends, on va y aller mode full... Full Indiana Jones, là. Ta-na-ta-ta.
Indiana Jones, tout James Bond. Je connais pas le thème d'Indiana Jones. Ok, ça c'est bon. Je vais reprendre mon bomber shoes. Voilà. On va faire des petits one scope, no scope, quick scope. Ce qui est bien avec la compétition et que j'adore, c'est s'améliorer soi-même. Ouais, c'est ça qui est important. Battre les autres, c'est de la merde, tu vois. Moi, je pense que dans pas longtemps, j'irai m'inscrire à une compète de powerlifting. Parce qu'il y en a dans le coin. Mais pas pour être dans le classement, juste pour faire une compétition de powerlifting et voir c'est quoi, par exemple, au maximum, voir c'est quoi les trucs. Juste commencer, parce que tu sais que les compétitions de powerlifting, tu peux y aller à partir du moment où tu peux soulever une barre vide. Si t'as envie un jour de participer dans une compétition locale ou régionale, tu peux y aller et soulever une barre sans poids dessus. Alors tu seras dernier de ton classement, mais si par exemple t'es tout seul dans ta catégorie, eh ben tu pourrais être premier à une compétition en soulevant littéralement rien. Enfin, en soulevant 10 kilos en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Du coup, je me dis, bah, pourquoi pas, franchement, rien que pour décoller, ça peut être marrant. Ouais, on va. Ah, je me suis niqué. Ça sert à rien. Y a un couteau de la jeunesse hitlérienne encore une fois. Russienne, bientôt sur France 2, Ouest de France. Mec, si je peux passer dans Ouest France, le meilleur jeu... Merde, non! Oh, le con! Et allez! Oh, putain. Je peux me barrer? Oh, fais chier, Lee. N is for the way you look at me. A is very... C'est qui, ça, là-bas? C'est un super soldeur? Blip. Bloop. Blip, bloop, blip, bloop, blip, bloop, blip, bloop. Je sais pas si je lui tire dessus. C'est une très mauvaise... Ah si, c'est bon, j'ai mon fusil d'assaut. Et tu peux dire, je suis powerlifter pro. Non, pas pro, mais au moins amateur, tu vois. Ça me plaît, moi. C'est le boss, lui. C'est Rudy. Rudy Jaeger. Il fait n'importe quoi, le boss, hein. Je sais pas si je lui fais mal ou pas. Ah. Sérieux? C'est une blague? Va falloir John Wick la scène là. Ou si vous avez la flemme de vous déplacer, speedrunner des jeux que personne joue pour avoir des world records. Mais carrément, non mais franchement, c'est super marrant à faire. Alors par contre, c'est tout ce que j'ai en munitions là, parce que là, le fer au couteau, je le sens vraiment. Oui, au couteau, ha! Ah. Mais là, je le sens vraiment pas, quoi. C'est quoi ici? Non, juste des pots de fleurs. Aïe, 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 aïe. Ok. Sérieux, y a pas d'autres munitions? Mais je fais comment? Et y a pas du tout de munitions dans cette map, en plus? Mais je vais pas le faire au couteau! Attends. Momo, t'es où? Momo, tu sais, toi, y a des munitions ici? Y a un passage secret sur le mur derrière toi. Ouais, mais j'étais où derrière moi? C'était à quel moment derrière moi? Dans le coin là? Pas ici? Pas là? Aïe aïe aïe. Ah! Yes! Vite! Aïe 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 aïe. Ok. Aïe aïe aïe. Ok. D'accord. Yes! Give me. Je savais qu'il y avait un truc. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon petit Momo. Ça, je prends. Je prends toutes les munitions. El Condor de l'Escalator! Ouais, référence Shrek 2, ouais. Hop, ça c'est bon, ça c'est pour moi. Oh yes. Oh, ça c'est bien. Allez, on va s'en occuper, cet enculé là. Saloperie de blondasse. Bonsoir. Ouh. Ah ouah 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 ouah. J'irai pas jusqu'à dire que je suis déçu. Mais j'avoue. J'avoue que je m'attendais peut-être un peu à plus... plus, je sais pas, plus... plus grandiloquent, peut-être. Oh! Ah, mais je me casse en plus vraiment dans l'Oural, quoi. Ok. Et voilà, j'ai fini Wolfenstein, j'espère que ça vous a plu. Putain, c'était pourrave, le combat de fin, il était... succès déverrouillé, Guten Tag. Bah, merci, Guten Tag. Bon tag à toi aussi. Comment on fait pour se barrer? C'est par là? Y'a rien d'autre ici, là? Sérieux?
À moins de 2 mètres, le Vulcan, il pardonne pas. Ben ouais, mais il avait qu'à être un meilleur soldat, je suis désolé, tu sais ça, c'est parce qu'il a... Il a trahi sa patrie, il a failli à sa mission. Ok ? C'est une arme de guerre, connard. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Par là ? Donc il faut que je recommence tout, faut que je refasse, d'accord, faut que je repasse là en fait. Il est mieux dans l'original. Mais dans l'original aussi t'as pas d'énormes mitrailleuses allemandes qui découpent des tanks à la volée. Ok, ça c'est très bien. Elle vole quand même, c'est très bien. Et elle fait, ça m'a fait peur ce bruit. Et elle finit sa course dans la prairie de notre enfance. Ok, bonsoir. Yes, on peut faire ça. Greatest anime fight. Top 10. Splip. Splip, tu tires mal. Hein. Remarque que les nazis zombies tirent mieux que les nazis normaux. Hein, comme quoi. Bon, bah écoute, lui, je vais le laisser un peu travailler. Parce que j'ai l'impression qu'il fait du bon travail. Bon. Excuse-moi. Voilà. Ah, merci. Ouais, mais lui, il est vraiment con. Entre des zombies et Blasco, je veux bien que tu dois faire un choix. Mais vaut mieux te ruer sur les zombies parce que. T'as plus de chances de t'en sortir. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va sortir un peu le fusil à canoncier parce que... On va faire un peu le ménage. Voilà. De toute façon l'original est mieux. Alors pour Wolfenstein, je pourrais pas te dire. Je sais que... Doom est meilleur que Doom 2016. Ça je suis positif. Mais pour Wolfenstein, j'avoue que Wolfenstein original, moi j'ai un peu plus de mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a Nitrocuit qui s'est fait bourriner par le bot. Et écoute, pourquoi t'as cherché la merde aussi, je peux savoir? Tu crois qu'il y a un resto allemand spécialisé dans les plats sans gluten qui s'appelle Glutentag? Oh, bah oui. Non, mais tellement. En plus, la jeunesse berlinoise, elle est très, très hipster, très comme ça. Je suis sûr que Glutentag, ça existe. Mais attends, tu sais quoi? J'ai envie d'aller voir maintenant parce que tu m'as mis la pute à l'oreille, comme on dit. J'ai envie de voir Glutentag. Glutentag. Ah, Urban Dictionary. C'est quoi? To have sex with someone while wearing a bagel, donut or other pierced article of wheat around the shaft. Donc si tu... Ah! Ok, donc si tu mets... si tu mets un donut, un bagel ou un, j'imagine un bretzel autour de ta bite et que tu kennes, ça s'appelle un gluten tag. Et ça, c'est important. Et ça... Ça, je vais le garder pour tout... Tu sais quoi, je vais renommer le stream. Attends, parce que ça, c'est très important, ce qu'on est en train de faire. On est en train de réécrire l'histoire, là, mon gars. Ça, c'est super important. On sait quoi faire pour la prochaine IRL. Vas-y, Glutentag. Glutentag. Yes. Impeccable. Voilà. Voilà, voilà. J'ai tapé Glutentag. Non, j'ai envie de glutentaguer quelqu'un. Tu crois qu'il y a des photos rigolotes ou quoi? Attends, vas-y, faut voir. Glutentag sur Google. Vu qu'on n'est pas beaucoup, je me permets de... Y a pas une photo avec une teubie là? Google a pas trop d'informations à ce sujet. Je crois que Urban Dictionary. Oh! Merci Hunted Snake pour le resub. 17 mois, putain la vache. Quel tueur, non, y a pas de photo de teubie. Je crois qu'il va falloir alimenter Google Images avec nos propres ressources de Glutentag. Hein. Envoyez vos. On va faire l'event gluten tag. Envoyez votre meilleur gluten tag à lamegaforge@gmail.com et vous gagnerez des recettes de bagel par Skadur. Ainsi que une photo dédicacée de Cher. And do you believe in love after love? Salut Taxi Phoenix. Ça mec, putain, il a mangé. Oh la vache, c'est marrant. Oh la vache, le trou. Oh, c'est. J'avais pas vu que je faisais un trou comme ça quand je tirais dans les mecs en fait. Ok. Oh là là, oh là là. Ça va ton temple de Mankar Kamoran? Même Pornhub a pas d'archives. Putain, je suis dégoûté. Ça se trouve, Urban Dictionary, ils ont inventé un truc qui n'existe pas.
Parce que le gluten tag, je suis désolé, c'est tellement prometteur comme... rien que comme pratique, enfin... Si tu le lances, je suis sûr que les gens, ils vont kiffer, hein. Il leur faut pas beaucoup plus... Ah ! Je me suis fait mal. Il leur faut pas beaucoup plus aux gens, hein. Il y a un pain en forme de bite, mais pas de photo de bite. Bah oui, c'est ça le problème. C'est sûr ça le problème. Et si Sacha, t'es allergique au gras, ça fait Interstellar au niveau du tonnette. Tout, 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 tout. Ok. Oh, Elga. Chut. Elga Pataki. Merci pour les subs, Silendil. Ça va, mec? Enfin, vraiment aussi, toi. Non, c'est Elga, non, c'est Olga, non, dans et Arnold. Elsa, putain, Elsa Pataki. Elsa Pataki. Est-ce qu'on peut faire une Gluten Tower Tag avec plusieurs? Ouais, mais comment tu fais? Faudrait... Ouais, en fait, il faudrait... Ouais, mais le problème, c'est que dans un Gluten Tower Tag, s'il faut mettre un donut au-dessus, par exemple, de 3 bits qui se collent, eh ben, les couilles, elles se touchent. Et ça, c'est PD, mec. Alors que sinon, il n'y a pas de problème. Mais si les couilles se touchent, c'est pédé. Donc j'y peux rien. Yo, et ouais, je reviens de mission. Ah, d'accord. Alors, le Moyen-Orient, comment ça s'est passé? T'es en train de déstabiliser un petit pays pour la France? Hein? Niquer les stocks d'aide humanitaire qu'on envoie aux Zaïre? Hein? Ok, allez, go. On va faire un sacrifice. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? ORXX. C'est le nom de mon prochain projet de rap. Ça sent la reine. Et c'est pas une insulte. Ah bah un petit train mais à la verticale. Un petit train là. Ouais, ou alors faut docker. Tu veux genre... tu docks avec un très bon copain et tu mets un donut autour des deux bits. Ça pourrait se faire. Mais ouais, sinon le Gluten Tower Tag, je vois pas très bien comment tu fais. Oh, merci Torten. Allez, un petit samedi nazi, c'est toujours sympa. Aïe. Putain, je me fais tabasser par des nazis encore, quoi. Putain, la société, elle a pas évolué, hein. Tiens, Nick. Aouh. Bim. Bam. Shobam. Plop. Pop. Wouh. Viens, petite fille, dans mon... On peut recommander un tour. Viens faire des whiz, des bop et des heil. Aïe aïe aïe. Cassez-vous Voilà. Je suis en train de me faire bourriner. Armure, vite. Ça c'est pas de la vie. Ça c'est pas de la vie non plus. Ah mais en fait c'est parce que j'étais sur les flammes, je crois. Que je me suis fait bourrinasse comme ça. Ça c'est pas de la vie non plus. Non, je vais crever. Ouais, non, bon. Je me suis très mal démerdé. Shabam. Plop. Wouz! Bon, bah tant pis. Je vais essayer de prendre aucune ressource. Et faire attention aux flammes par terre. Vous savez ce qui vous attend en bas, Alga? La main. C'est le souvenir de la main. Ok, donc ça par exemple, ce pack de soins là, je vais le laisser ici. Et on l'utilisera qu'en cas d'extrême urgence. C'est plein de petits crânes en fait. Ok. Aïe aïe, ok, ça commence. Allez, on se concentre cette fois-ci. On va legit John Wicker, leur John Wicker la race. Voilà. Ici, il n'y a personne qui tombe. Ça monte de là-bas. Ça sprint ici. Ce qu'il faut, c'est pas forcément tirer mieux que d'habitude. C'est entrevoir le futur. Voilà. Il y en a deux ici. Et là, je me dis, il y en a peut-être un derrière moi ou un à droite. Voilà, il y en a un qui descend ici. Il est fini. Il n'est pas tout à fait fini. Ça, je me suis fait un peu niquer. Il y en a peut-être un sur ma gauche. Il y en a un sur ma gauche, tu vois. Il faut pas se laisser surprendre par l'adversité. Il faut voir le futur comme un ennemi. Et tu sais qu'il n'y a pas de période de réfraction pour la vie qui t'encule. Alors, tiens-toi prêt. Oh là 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 là, il m'a fait super peur, lui. Tiens-toi prêt, poteau. Laisse pas traîner ton fist. Aïe, 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 aïe. Nick, voilà. C'est Mercotte qui va être ravi. C'est qui, Mercotte? Ah oui, non, c'est l'autre... La vieille là qui aime bien qui mange la ganache là. Ganache. Voilà. Eh, je m'en sors bien mieux une fois que je suis un peu concentré et qu'on parle pas de bite. Tu trouves pas? C'est marrant, il lui manquait la moitié de la tête déjà à lui. Alors est-ce que c'était avant qu'il devienne zombie? Ou après? Et d'où ils viennent tous d'ailleurs là? Qu'est-ce qu'il y avait un entrepôt à nazis?
Hop, celle-là, on va la laisser ici. Ça va nous laisser un peu de répit. Là, je suis en train de John Wick les zombies. Et je sais pas si je peux pas déjà me barrer, en fait, non? Non, je crois que c'est vraiment des vagues, ici. Je sais pas, en fait, si je peux me barrer ou si c'est juste des vagues de zombies qui m'ensorcellent. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils vont m'entraîner jusqu'au bout de la nuit. Et j'ai quasiment plus de munitions de fusil d'assaut. Ah, voilà. C'est quoi? Je peux remonter, là? Ah, mais depuis tout à l'heure, c'était fini, en fait. Non? Il continuera après, ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai pas perdu de temps. Pas trop perdu de temps. Si vous aimez les trucs arbres, regardez les photos de fétichistes. Mohair? C'est quoi Mohair? Tu sais qu'en Colombie ils enculent des ânes? Tu savais pas ça? Évidemment, tu savais pas. Vous vous intéressez pas aux choses de la vie, les mecs. C'est ça votre problème, vous êtes pas curieux. Allez, c'est parti. Mein Uber. Sie können ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hein? Aber diesmal verbrennen sie. Aïe, aïe, aïe. C'est donc vous ce connard américain, pas vrai? Celui qui a tué Rudy. Tu fais dropper mes frames, Elga. Vous êtes. Touche pas à mes frames, salope. J'ai regardé Overlord après que t'en aies parlé au dernier stream, bah il était grave bien. Mais ouais, il est cool. Il est cool. Et le seul truc, c'est que je trouve que ça manque de nazi zombie, c'est tout. Mais ça, c'est un très bon film. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, douce fortune, tes voix sont impénétrables. Sympa ton accent. J'ai l'impression de retomber en enfance. Ta mère est tellement grosse qu'elle fait drop mes frames. Ta mère est tellement grosse que Thanos a dû applaudir. Aux côtés des plus grands aventuriers. Vous resterez toujours une saloperie. Aïe. Alors déjà, elle a bien eu raison, Blasco, parce que je trouve que c'était une remarque déjà très dure et un peu en jugement de valeur, donc je pense qu'elle mérite pas. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. C'est compliqué l'allemand quand même. Das ist die Kombination, Sie Idiot. Sie Idiot, ça je connais. Na bitte. Bitte, ça aussi je connais. Pour ceux qui ont jamais vu la fin du jeu, ça peut être à faire un choc, mais je pense que tout le monde y a joué déjà là. Aïe aïe aïe. Ah. Gott gibiotit. Fistule. Tu l'as appelé Fistule? Elle est assez grasse, alors je te conseille pas. Mange-la, elle. Na bitte. Schnoop. Oh, trop mimi. Mange-la. Mange-la. Bouffe-lui la truc. On s'éloigne vachement de The New Order. Pas tellement. Ah, personne n'est le santé, feeling gluten tag. Putain, on dirait un truc de l'Odyssée d'Abe ou je sais pas quoi. C'est marrant. Alors attends, comment il faut faire déjà pour le niquer lui? Parce que le boss fight, il me semble qu'il est assez intricate. Je vais déjà lui foutre des munitions de Bowman Shoes dans la gueule. Alors qu'est-ce qu'on peut viser sur lui? Bah la bouche, hein, j'ai l'impression qu'il faut d'abord lui viser la grosse buccale. Et hop. Très bien. Aïe aïe aïe. Celle-là je l'ai mangée en plein dans la gueule. Excusez-moi, non, commencez pas à m'emmerder par contre parce que j'ai du boulot là. Non, j'ai du boulot les mecs. Hop. On va essayer de le travailler comme ça. Je sais pas si ça va marcher mais écoute, j'ai envie de dire grand bien m'en face. Voilà. C'est ça, tu l'es. Voilà, c'est bien. C'est bien, bon, c'est bon petit abomination.
C'est bien ma petite abomination du futur, du passé, du subjonctif. Il a plus de mâchoire ? Non, c'est bon. Ok. Ok. Qu'est-ce que l'autre on peut faire ? Hop, roquette dans la bouche. Ah, ça a l'air pas mal, ça a l'air de bien fonctionner. Non ? Les gars. Il y a un démon ancien mésopotamien juste devant nous. Est-ce qu'on pourrait pas garder quelques minutes pour nous pour qu'on fasse connaissance ? Bon, ok, c'est pas grave. Le mec, il a explosé. Ah, il a explosé. Voilà, c'est bien, petit. Tu vas être un gentil petit monstre capitaliste et tu vas mettre fin à la tyrannie nazie, d'accord ? On fait comme ça ? Et hop, je saute. Oh, ça a rien fait. Ah, waouh. C'est un peu le Dark Souls des FPS. Skibidibap. Viens, petite fille, dans mon comic strip. J'aime pas cette chanson, je sais pas pourquoi j'ai dans la tête. Je suis juste désolé pour tout le monde. Attends, fais voir. 5. Non, 6. 6, double 6. Allez. Ok. Ça, je sais pas ce que ça a fait. Je sais pas si c'était très utile, mais ça a eu un résultat, j'ai l'impression. Parce qu'il a fait bah. Voilà. Ça, c'est pareil, j'ai l'impression que ça marche. Alors écoute, tant qu'il y a de la réaction, il y a de l'espoir. Hein. Comme on dit chez les mecs qui s'occupent de Drucker. Hop, voilà. En plus, il lâche des munitions par milliards, par trillions. Voilà. Voilà. Ferme ta gueule. Aïe. Non, pas la fouette. Voilà. File-moi mon Kampf pistolet. Ouais, j'ai envie de tester un truc. Schnout. Ah. Eh ben, c'était super facile. C'était extrêmement beaucoup plus facile que ce que je me souvenais, en fait. Ça m'a pris une heure à tout péter de finir ce que je pensais être l'autre moitié du jeu. En fait, les zombies nazis arrivent super tard dans The Old Blood. La partie du début dans le château de Wolfenstein est en fait vachement longue. Salut, les gars. Attends, bouge pas. Bouge pas, on fait un truc. Attrape. Oug. Ça va, elle va bien. Elle est faite du même métal que Brad Pitt dans Fury. Elle se prend une grenade, ça lui fait juste quelques écorchures. C'est à ça qu'on reconnaît les héros. Les héros. Vous ne comprenez rien. Si. Vous n'avez jamais eu le contrôle. Oh. Strandkeheim. Geheim. String. Ah. D'accord. J'hallucine. Il est fini, je me souviens plus, il est fini le jeu déjà là ? Ah ! Fergus. Salut, j'aurais dû te laisser mourir dans le premier, ça va ? Comment ça se passe ? Oui, c'est fini. Ah bah merde ! Ça va la tête, Blazkowicz ? Comment vous avez su ? Impeccable. Impeccable, sans briller. On a retrouvé son corps. Ils ont eu Wesley aussi, Fergus. Nom d'un chien. Allez, faut qu'il y en ait un qui se transforme. Là. Allez. Mademoiselle, faut qu'on vous sorte d'ici. Non, sur le dossier, c'était écrit Gluten Tag, je sais lire l'allemand. Ah, c'est sa meilleure collection, c'est le dossier d'Elga, en fait. C'est sa meilleure collection de Gluten Tag de l'histoire. Il y a une gluten tag entre Goebbels et Khrushchev, mon gars. Où ils font du docking. Comme ça, bip. Il y a les deux glands qui se touchent et autour, ils ont mis un bagel. Truc important. Je l'oublie à mon réveil. Je suis désolé, le truc du gluten tag, ça me fera toujours marrer. J'ai vraiment 6 ans, quoi. C'est dingue. Dès qu'on parle de ZZ, moi, je rigole. T'aurais pu me le rappeler, Blazko. Tu me prends pour ta nono, Fergus. Putain. C'était la voix de Blazko, ça ? On y est presque. Tu lui as bien réglé son compte à ce foutu monstre, BJ. Tu lui as bien réglé son compte à ce foutu monstre qu'on référencera pas dans le prochain jeu. Enfin, dans la prochaine histoire. Dernière chance de renverser le régime nazi. Il est temps que ça cesse, pas vrai ? Le monde compte sur nous et tout ça, tu vois ? Aucune pression ! Ouais, non, c'est surtout pas, ça... Comme pour ma vessie. Ha 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 !
C'est une magnifique blague pipi pour Fergus. On accueille tout de suite Monica. Et voilà, et du coup, ça c'est le début de The New Order. J'essaie de le supporter malgré tout. Où on monte dans un bombardier et on va te péter la gueule à des nazis. En fait, on s'est pas reposé 5 minutes quoi. Allez, fais péter le thème pour les crédits là. Oh yes. Il y a au moins un truc positif dans ce jeu-là, c'est la chanson, quoi. Non, en vrai, il est génial. Il est vraiment bien, ce jeu-là. Le problème, c'est qu'il est déjà trop court, je trouve. La partie avec les zombies devrait être un peu plus longue, mais en même temps, je comprends qu'ils aient pas voulu en faire un peu plus long, sinon ça aurait été peut-être un petit peu étiré. C'est-à-dire que buter du nazi, au bout d'un moment, ouais, t'as un peu tout fait, quoi. Mais après, c'est aussi leur but de varier les goûts et les plaisirs, de te foutre des mechas, de te foutre des positions à défendre où t'as pas besoin de bouger, etc., etc. Mais non, ouais, c'est un super jeu. Mais je sais pas si je préfère pas quand même The New Order. Je crois que je préfère The New Order à The Old Blood. En fait, dans ma tête, ça fait New Order en premier, en 2 The Old Blood, en 3 Wolfenstein 3D, en 4 Return to Castle Wolfenstein, en 5 Watch Dogs, en 6 Bad Rats, en 7 The Last Guardian, et des places 8 jusqu'aux places 16500, c'est vide, et à la place 16501, il y a Wolfenstein 2. The New Colossus. Donc ça va, on reste dans le top 16501 quand même, pour tout Wolfenstein. Oublie pas Nep Nep en 0. Ouais, Hyperdimension Neptunia aussi pour la place 0. Ouais. Et Neko Para en moins 1. Neko Para qui bat tous les scores quand même de scénario. New Colossus ou Rogue Warrior? Rogue Warrior. Non, New Colossus quand même. Parce que y a quand même certaines cinématiques que tu peux skip dans New Colossus et le gameplay il est tight. Donc ça se fait plutôt bien. Mais Rogue Warrior c'est une purge. En fait, il faudrait New Colossus mais avec les dialogues péraves de Rogue Warrior et je pense que ce serait vraiment super super drôle. Et comment il s'appelle? Mickey Rourke. Parce que oui, c'est Mickey Rourke dans Rogue Warrior qui fait la voix du héros. Ça c'est important. Faut qu'on s'en souvienne quand même. Enzel comes through the shadows. Ah ouais, normalement, il y a possibilité de poster des clips de live, mais c'est bizarre que tu t'es fait ban tout de suite, là. Peut-être falloir que je revoie Moubot, parce que faudrait quand même qu'on puisse accepter les liens YouTube et Twitch. C'est quoi, je vais le marquer, ça. Je vais le marquer pour pas total forget. Attends, il me faut un post-it. Sont où mes post-it? Spider, mes post-it. Spider. Spider au pied. Donne-moi mes post-it, Spider. Allez. Ah, il est rentré. Ah. Yes. Voilà. DP, figure-toi que je l'aime bien, New Colossus, moi. Mais Momo, on en a déjà parlé, c'est faux ce que tu dis. Note designer sur le post-it. Oui. Oh, vous me faites tous chier, là. Putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Moubot. Lien. Dishonored pour l'autre Pécor
Et Rupert. Émote. Et d'ailleurs ce soir il faut encore régler le problème de la nouvelle émote. Hein. Je vous rappelle qu'on a un nouveau slot encore. On a un nouveau slot de d'émotes et je sais toujours pas quoi mettre. Bon ta gueule. Voilà. Impeccable. Donc il faut acheter des bagels. Ah oui exact, bagels. Oh putain mec. Oh putain. Non on va quand même pas faire une émote avec gluten tag. Non, on va pas faire d'émote avec gluten tag, je crois pas. Donc voilà, The All Blood c'est fini, du coup, vous inquiétez pas, en deuxième partie, on va... Non, on fera pas, on peut même pas, en fait, et si Twitch voit qu'il y a un bout de zizi, ils vont faire, ah bah non, dis donc, non, ça, des streameuses avec les uns à poil, et les streameuses russes qui se roulent des galoches lesbiennes, ça, y a pas de problème, mais un petit bout de zizi, non, c'est mort. Donc du coup, attends, ce qu'on va foutre, c'est Prison Architect, parce que du coup, on va faire ça en deuxième partie de soirée, on va faire un petit Prison Architect, et je pense qu'on va faire ça, et ensuite, Enter the Gungeon, peut-être, ou je sais pas encore, pour l'instant, on va juste faire ça, il va falloir que je coupe mon enregistrement pour que ce soit stylé. Bisous, première partie du stream sur YouTube, faites un bisou à YouTube, pour les gens qui vont regarder juste la rediff de Wolfenstein. Bisous. Et si vous avez regardé la rediff jusqu'au bout, écrivez Gluten Tag dans les commentaires. Voilà. Bisous YouTube. À tout de suite.